L'hématopoïèse. Les cellules souches sont définies par deux capacités. La capacité de se régénérer ou de s'auto-renouveler et la capacité de se différencier en différents types de cellules. Les cellules souches embryonnaires ont la capacité de générer presque tous les types de cellules spécialisées d'un organisme. Elles sont pluripotentes. D'autre part, les cellules souches adultes ont la capacité de donner naissance aux divers types de cellules qui spécifient un tissu particulier. Elles sont multipotentes. Plusieurs organes adultes abritent les cellules souches qui peuvent donner naissance à des cellules spécifiques à ce tissu. Les cellules souches hématopoïétiques, résidant principalement dans la moelle osseuse, ont été les premières cellules souches spécifiques de tissus identifiées et la source de tous nos globules rouges et globules blancs. Un petit nombre de ces cellules peut être trouvé dans la rate et le foie des adultes. Quel que soit leur lieu de résidence, le nombre des cellules souches hématopoïétiques est strictement contrôlé par un équilibre entre la division cellulaire, la mort et la différenciation. Les cellules souches hématopoïétiques expriment des protéines sur leur surface cellulaire, telles que le CD34, SCA1 et le CKIT. Ces protéines servent de marqueurs utiles permettant l'identification et l'isolement de cette population. La cellule souche hématopoïétique se divise, générant des cellules filles. Certaines cellules filles conservent les caractéristiques de la cellule mère, c'est-à-dire qu'elles restent auto-renouvelables et sont capables de donner naissance à tous les types de cellules sanguines. D'autres cellules filles se différencient en cellules progénitrices, qui ont une capacité d'auto-renouvellement limitée et deviennent progressivement plus engagées dans une lignée de cellules sanguines particulières. Nous venons de parler du CKIT comme marqueur utile pour identifier les cellules souches hématopoïétiques. En réalité, le CKIT est un récepteur d'une cytokine appelée SCF, ou facteur de croissance de cellules souches, qui favorise le développement de progéniteurs multipotents. À ce stade, une cellule fait l'un des deux choix d'engagement de lignage. Elle peut devenir une cellule progénitrice myéloïde ou lymphoïde. La première donne naissance à des globules rouges, des plaquettes, des granulocytes, des monocytes et à certaines populations de cellules dendritiques. Les cellules myéloïdes font partie du système immunitaire inné et sont les premières cellules à réagir à une infection. Alternativement, le MPP peut devenir une cellule progénitrice lymphoïde qui donne naissance à des lymphocytes T, des lymphocytes B, des cellules lymphoïdes innées, ainsi que des populations de cellules dendritiques spécifiques. Les lymphocytes T et B sont membres de la réponse immunitaire adaptative et génèrent une réponse immunitaire spécifique à l'antigène, qui donne lieu à une mémoire immunitaire. Les ILC ont des caractéristiques à la fois de cellules innées et adaptatives.